Vous êtes congolais? Thank you.
Les gens prennent leur carte, quel que soit le prix. Même si ça doit prendre 48 heures, parce que c'est le laisser passer. Oui. Je crois que d'abord je voudrais féliciter une fois de plus l'équipe de la CENI qui a si, s'investir dans la mission constitutionnelle d'ailleurs, qui est la sienne, en ayant publié la feuille de route, le calendrier électoral, et finalement, le délai convenu, c'est-à-dire le délai de démarrage de l'enrôlement, les choses ont effectivement débuté. Moi-même, je viens à ce jour d'avoir ma carte d'électeur, je viens de m'enrôler à l'épée Gouna, située dans la commune d'Engaliem. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est de dire que, indépendamment de ce qui se passe, nous allons inviter la population à pouvoir effectivement s'enrôler et nous insistons à ce que la CENI revoie un peu le système parce qu'il y a une lenteur sans pareil. Peut-être dans certains centres, il n'y a pas de l'électricité. Dans d'autres centres, les équipements ne sont pas nombreux. Dans d'autres centres encore, il y a un taux élevé de demandeurs de requérants. Et donc cela nécessite de réajustement et je crois que les services de la CENI, les superviseurs sont sur terrain pour faire ces rapports. Il y a des fiches tout naturellement
tous les acteurs politiques, les acteurs de la société civile. Il y a des fiches qui sont disponibles pour, disons, noter, pour faire savoir toutes les remarques qui sont disons, constatées. À la population de Lukunga en particulier, et celle de Kinshasa, mais également à toute la population du Congo central, de la RDC, nous avons déjà, dans un message télévisé, nous avons déjà lancé le message pour inviter tous les Congolais, toutes les Congolaises, à s'enrôler massivement. Car nous n'avons pas de changement si nous nous éloignons du processus électoral. Les élections nous permettent de renouveler les parlements, de renouveler la confiance des différents dirigeants, et ceci passe par l'enrôlement. La carte d'électeur, comme je l'ai dit, que nous avons, pas seulement qu'il va nous aider comme carte d'identité, comme pièce d'identité dans un premier temps, mais également c'est avec elle, alors avec elle seule, que nous pouvons nous déclarer candidats, mais que nous pouvons également porter notre choix de dirigeants de demain.